you ever felt. Are you listening? Damn. Coucou mes beautés, aujourd'hui je vous retrouve pour une routine teint pour des peaux qui sont atopiques, très sensibles. En ce moment, voilà, j'ai une peau acnéique très, très sensible, très atopique, qui rougit au moindre frottement, etc. Donc je voulais vraiment vous proposer quelque chose de différent par rapport à ce que je fais d'habitude, parce qu'effectivement, si vous ne le saviez pas, j'ai un stérilet, donc du coup le stérilet empêche les règles, mais quand même pas à vie. Hein. Donc de temps en temps dans l'année, voilà, il y a deux ou trois fois où ça survient. Hein. Et donc là c'est survenu, sauf que tu le vois sur les pourtours de ma bouche et sur, voilà, sur le visage, quoi, tout simplement. Donc je vous propose quelque chose qui va rééquilibrer la peau, ne pas l'agresser et surtout camoufler les imperfections, les rougeurs, tout ça, avec des produits de parapharmacie. Donc, la première chose, c'est de nettoyer sa peau avec le savon ressource de Aduna Beauté, que j'adore. Et honnêtement, il coûte entre 9 et 10 euros. Donc, sur le site internet, il est à 9 euros, prix de lancement, de départ, de découverte. Et franchement, il y en a pour une vie, quoi. Moi, je l'ai dans ma salle de bain. Et en fait, le peu que je mets, ça fait un lait. T'en as pour une vie. Le savon, il va me durer 2-3 ans, quoi. Il t'en faut très, très peu pour tout nettoyer très proprement. C'est super. Ensuite, on vient hydrater. Donc moi, là, j'ai choisi le Aderma Physac Global, soin anti-imperfection sévère. Alors, celui-ci, il y a des alternatives chez Aderma. Donc, il y a la épithélial AH qui peut être une bonne alternative si vous n'avez pas forcément de boutons, mais si vous avez la peau très sensible avec des eczémas ou quoi que ce soit, donc pas forcément besoin de traiter l'acné. Et il y a aussi pour celles qui ont la peau mixte à grasse et qui a tendance vraiment à briller dans la journée, le soin de chez Noreva, le exfoliac, je ne sais plus, que j'avais dans ma routine teint du février challenge. Donc voilà, ça c'est des alternatives que je vous propose, toujours en parapharmacie. Ensuite, on va opter pour le Vichy Derma Blend, donc qui est très couvrant. C'est un fond de teint de parapharmacie qui est non testé sur les animaux, tout type de peau, haute couvrance, SPF 35, voilà quoi, sans paravène, non comédogène, sans alcool, sans phénoxyéthanol. Donc voilà ce que je vous propose. Donc moi je l'ai pris en teinte opale, en teinte 15, et ça matche parfaitement ma carnation. Voilà, donc j'étais ravie de ça. Et une belle découverte, donc la poudre couvrance de chez Aven. Et donc c'est un correcteur de teint, poudre mosaïque translucide. Alors cette chose là je suis sur les fesses, parce que vous le verrez pas à la caméra, mais elle est d'une finesse. C'est un truc de dingue. Donc là, forcément, il y a trois teintes. Hein. Il y a la très claire, il y a la médium et il y a la très foncée. Et moi, j'ai pris la médium. Donc, elle est très fine. Elle ne se voit pas sur le pinceau. Elle est même plus fine que certaines poudres libres HD que j'ai. Et donc, elle matifie parfaitement. Elle donne un effet peau de pêche. C'est exactement ce que j'ai utilisé. J'ai pas retouché ni quoi que ce soit. Et je suis conquise par ce produit parce que ça me fait une peau de pêche, tout simplement. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion de la tester, je vous conseille d'aller voir en parapha, de tester sur les testeurs. Au pire, vous demandez carrément en parapharmacie de pouvoir vous maquiller avec. Ils ne peuvent pas vous le refuser de toute façon. Et ça, c'est une dinguerie. J'ai été vraiment scotchée du truc, quoi. C'est trop beau. C'est trop trop beau. Alors j'espère ne pas rebriller tout de suite quand même, parce qu'elle est quand même censée être matifiante, mais elle est sans parfum, sans conservateur. Bon, je vous fais pas la blablate parce que Aven c'est des très bons produits, et je suis trop contente, quoi. J'ai été trop contente de pouvoir le tester, ce produit. Elle détrône pas mal de produits que j'ai qui peuvent être comédogènes, allergisants, etc. Et je pense que je vais me tourner plus vers ce type de choses. Donc, écoutez, c'est tout pour le blabla de ce tuto, en fait, de ma routine. Donc, je vous laisse avec la routine. Pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous mes chéris, ciao.
Are you listening? Damn.